Alors, Asprey, pour ne pas casser ses monoplaces à bas coût. Il faut en effet enchaîner directement avec Montréal ensuite. Oui, alors ça, allez dire ça à Mick Schumacher, du coup. Pour Gunther Steiner, ça ne fait que renforcer la nécessité d'un calendrier régional tel qu'il est actuellement en discussion en coulisses. Oui, parce qu'après, on va directement au Canada. Les défis sont que vous allez d'un continent à l'autre. C'est un long voyage et l'équipe travaille très dur pour tout faire. Il faut avoir une bonne équipe et travailler dur. Mais c'est un défi car ils n'ont que quelques jours pour tout mettre en place et pareil, repartir pour la prochaine course. Si vous avez des dommages sur la voiture, ça devient plus difficile. Nous espérons donc ne pas avoir de dommages à Bakou. Donc, dans les plans de la saison prochaine, ce serait formidable si nous pouvions combiner des courses par région du globe. Je sais que Domenicali travaille fortement sur ce sujet. Ça ira dans la bonne direction à partir de l'année prochaine. Avant Montréal, il y a donc Azerbaïdjan qui s'impose comme un incontournable du calendrier, grâce au spectacle qu'il offre presque à chaque édition. Ma première impression, lorsque je me suis rendu sur cette course, a été d'être surpris de voir à quel point la ville et la piste sont agréables. Je ne connaissais pas du tout Bakou auparavant. Cette ville n'était pas sur ma liste d'endroits où aller un jour. Cette piste a certainement sa place en F1, y compris à l'avenir. Le circuit de la ville de Bakou est connu pour fusionner sections sinueuses, serrées et longues lignes droites, bosselées, je dirais même. Je sens que Mercedes va souffrir encore sur ce circuit, oh là là. Évidemment, le circuit est divisé, comme vous le dites, en deux éléments, très rapide et très sinueux. Je pense qu'avec notre voiture, nous avons bien avancé en Espagne, avec les réglages de la voiture, et elle se comporte bien en toutes circonstances en ce moment. On doit trouver le bon setup et je pense que nous pouvons avoir un bon résultat, comme nous l'aurions fait en Espagne et Monaco si les choses s'étaient passées différemment. Oui, bah avec des si, hein, j'ai envie de te dire, Gunther, voilà. Ah, je suis pas sûr qu'il performe vraiment As à Bakou pour le coup. Les perfs à Monaco n'étaient pas sensationnels, alors vous me direz, Monaco et Bakou, ça n'a rien à voir. Mais bon, je les sens pas trop sur ce circuit non plus. Les circuits urbains, je suis pas sûr que ça convienne très bien à la voiture, à la As. On verra bien, peut-être que je me trompe. Allez, ciao.